Bonjour à toutes et à tous. En ce samedi, acte 19, un beau samedi, jaune, gilet jaune. Donc voilà, je fais ça pour alimenter mon groupe Facebook parmi mes groupes Facebook, le groupe que j'ai nommé Medim Nawar, mes ennemis. Comme ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez dedans. Et moi-même, ça me permet d'être harcelé par les trolls. Alors dedans, vous avez tout. Vous avez des personnes qui n'ont pas su gérer leur ego, qui ment, d'autres qui m'ont insulté, d'autres qui m'ont menacé, d'autres qui m'ont harcelé. Et de manière générale, une grande, grande, grande partie sont des trolls de l'intelligence artificielle, des coquilles vides. Et puis s'il y a des humains dedans, bon ben, vous l'avez mérité. Vous m'avez insulté, vous m'avez harcelé. Comme ça, c'est clair, ça découragera les prochaines et les prochains. Donc je vais faire défiler, parce que s'il y a une liste très 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 longue, vous le verrez. Et il faudra que je refasse l'expérience avec mon deuxième compte Facebook, mon compte de secours. Alors, je vais vérifier si le son a marché. Mon compte de secours. Voilà, bon, bah. En différé, je viens de constater que vous m'entendez. Je vous rappelle que j'ai d'autres groupes. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller sur France Gilets Jaunes, la vraie colère. La vraie colère. J'ai un groupe fermé pour analyser les publications vidéo et les articles dont vous pouvez vous aussi faire partie. Il faudra me le demander. Et vous pouvez donc, à partir du groupe La Vraie Colère, accéder à mon premier groupe Messenger. J'en ai fait plusieurs. Vous trouvez le lien. Vous trouvez le lien pour le groupe Messenger, sur lequel il se passe beaucoup de choses. Depuis le groupe Facebook La Vraie Colère. Donc ensuite, sous la dénomination à chaque fois Medim Nawar, vous allez trouver plusieurs groupes. Donc le groupe fermé, ma rédaction, mais d'autres groupes ouverts, publics, dont le groupe pour lequel je fais cette vidéo, qui s'appelle Medim Nawar, mes ennemis. Vous pourrez piocher dedans si vous aussi vous hésitez à bloquer des trolls. Alors il y a un autre groupe, c'est toujours, on commence toujours par Medim Nawar, qui s'appelle Medim Nawar Boycott Intelligent. J'ai fait une publication sur mon profil vous demandant de venir vivre cette expérience avec moi, la démarrer ensemble. Il s'agit d'alimenter en temps réel toutes et tous et de corriger une liste de produits que nous aimons. Nous allons faire l'inverse. Nous allons éviter de tomber sous le coup de la loi et nous allons noter, lister absolument. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide dans un travail collaboratif phénoménal. Nous allons noter absolument tous les produits que nous aimons. Et bien entendu, jamais nous ne noterons les produits que nous boycottons. On va la faire à l'envers. Je vous invite donc vivement et massivement à aller entrer sur ce groupe et m'aider, nous aider à vivre cette expérience et à l'alimenter. Nous sommes des humains. Si nous arrivons à collaborer ensemble, nous pouvons
créée comme l'intelligence artificielle et peut-être même la dépasser. Il y a donc aussi un groupe Medimnawar Fédération. Celui-ci, l'usage viendra par la suite lorsque on aura avancé sur les créations des différentes associations à caractère politique qui se termineront par GJ et qu'on se confédérera les uns aux autres. Donc moi, pour ma part, j'ajouterai dans ce groupe Fédération des Gilets jaunes les personnes qui auront respecté ma vision et mes règles, et nous maillerons ainsi tout le territoire, certainement pas pour l'élection européenne parce que il est évident que nous n'y arriverons jamais, nous manquons de temps, mais dans tous les cas, et il le faut absolument pour les élections municipales, et à ce moment-là, vous serez candidats toutes et tous dans votre localité, bien entendu, si vous vous sentez prête et prêt, et si vous voulez passer au stade de créateur. Voilà mes amis, je vais faire défiler donc tous les contacts que j'ai bloqués à un moment ou à un autre. En ce qui concerne mon profil Facebook principal, et ensuite cette vidéo servira donc à rester et à être régulièrement mise à jour, comme je vous l'ai expliqué précédemment, dans mon groupe Medimnawar, mes ennemis. Charge à chacun de regarder ou de ne pas regarder, d'en faire usage ou de ne pas en faire usage. Il s'agit juste pour vous, à titre indicatif, si vous voulez suivre mes conseils ou si vous n'en voulez pas. Je n'oblige personne et je ne fais aucune incitation à quoi que ce soit. Si jamais vous allez menacer ces trolls ou vous en prendre à eux de quelque manière que ce soit, eh bien vous l'aurez fait en votre nom et je n'ai absolument aucune responsabilité dans ce que vous aurez fait parce que vous êtes grand et majeur et vous êtes responsable de ce que vous faites et je ne suis pas votre gourou. Je ne vous oblige pas à faire des conneries, à aller menacer des autres, à aller harceler les autres. En plus, je vous dis de ne pas le faire. Voilà, ça va être long, hein. Un sacré paquet. Donc, je vous rappelle par rapport à ce que j'ai dit hier, le système, en fonction de comment
sera suivie la mobilisation aujourd'hui par rapport à toutes les terreurs que le système a diffusées au travers de ses réseaux médiatiques, mais aussi de ses réseaux, les faux dissidents sur les réseaux sociaux. Ils n'ont cessé de vouloir nous décourager d'aller sortir avec un gilet jaune aujourd'hui. Et nous ne nous laisserons pas ni intimider, ni faire. Nous mettrons un gilet jaune, nous n'irons pas au conflit, nous n'irons pas essayer de convaincre qui que ce soit, ni force de l'ordre, ni gilet jaune. Nous porterons juste un gilet jaune par-dessus nos tenues et nous irons vivre comme si c'était un samedi normal. C'est ce qu'il faut faire lorsque nous subissons des attaques terroristes, non? On nous dit il faut vivre normalement pour montrer que nous n'avons pas peur. Eh bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous sortez faire une petite balade. Mettez un gilet jaune et faites du ski. Mettez un gilet jaune et faites du vélo. Mettez un gilet jaune et conduisez votre voiture en plus de celui qui est devant, bien visible depuis votre pare-brise, si ce n'est déjà, si ce n'est déjà pas fait. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester sans mettre au moins un gilet jaune bien visible dans votre voiture. Mais les samedis, il faudrait en plus mettre le gilet jaune par-dessus vos tenues et en plus vous vous obliger à sortir. Même si vous ne comptiez pas sortir, il faut faire l'effort. Vous sortez, vous montrez que nous n'avons pas peur et vous montrez que vous ne cherchez aucune confrontation avec qui que ce soit et vous ne cherchez à convaincre qui que ce soit et vous ne cherchez à faire aucune vidéo ni aucun événement sensationnel. Juste vous vivez un samedi comme les autres, mais en portant par-dessus vos tenues un gilet jaune. Je vous rappelle aussi mon idée. Et je vous invite massivement à le faire, à continuer dorénavant sous la forme que je vous ai dit, à faire vivre donc les gilets jaunes les autres jours de la semaine en plus de nos samedis jaunes de cette manière. Tous les jours, mes amis, à 13 h, parce que les Templiers n'aiment pas le chiffre 13. Vous savez, dans les hôpitaux, d'ailleurs j'ai été surpris lorsque j'ai été enfermé, il n'y a pas de chambre 13. Dans les hôtels, il n'y a pas de chambre 13. Les Templiers n'aiment pas le chiffre 13, ils sont traumatisés parce qu'ils ont déjà été pourchassés par le passé. Non seulement par le roi, mais en plus par l'Église, par le pape. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes tous en train de subir quelque part leur vengeance, qu'ils se sont appropriés la France. Mais je vous l'ai dit hier, si vous passez au stade de créateur et que vous agissez intelligemment, comme je vous l'indique, eh bien vous serez vous aussi un Gaulois, comme votre serviteur Mehdi Mnawar, qui est un Gaulois. Et nous allons
libérer la France pour qu'elle redevienne laïque et avec ses valeurs catholiques. Donc je vous invite tous les jours, peu importe le jour, à 13h pétante, à sortir votre gilet jaune de votre sac que vous aurez préalablement bien plié ou de votre poche de manteau. Et peu importe l'endroit où vous vous trouverez à ce moment-là, si c'est au McDo, au travail, peu importe. Vous le sortez, vous le dépliez, vous le mettez pendant une minute, une petite minute. Et ensuite, vous le rangez calmement. Devenez créateur. Devenez gaulois. Ce n'est pas la lune que je vous demande. Je ne vous demande pas de prendre des épées et d'aller vous battre contre quelque armée que ce soit. Je vous demande tout simplement d'avoir, une fois dans votre vie, le courage de porter un gilet jaune à 13 heures tous les jours, même si vous n'êtes pas à l'aise en public, même si vous allez sentir tous les regards se diriger et se fixer sur vous. Faites-le. Prenez votre courage à deux mains. Soyez vaillant. Si vous voulez une révolution propre, sans aucune effusion de sang, faites comme je vous dis, mes chers amis, suivez plutôt ma stratégie, plutôt que de suivre tous les autres qui font en permanence et sans cesse des appels à la violence, des appels à la guerre, qui sont uniquement obsédés par cette opposition. Tiens, Kevin, je te débloque. Qui sont uniquement obsédés par cette opposition à Macron pour cacher la réalité du mal qui a pris le pouvoir dans toutes les institutions françaises. Sans aucune exception, qui a corrompu totalement notre pays. Et pas d'aujourd'hui, hein. Nous pouvons remonter à la création de leur république en 1795. Ils ont profité de la révolution de 1789. Et depuis, ils nous font vivre dans une gigantesque illusion, avec des grands principes, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme, la laïcité, que tout le monde croit qu'ils sont appliqués. Alors qu'en réalité, la franc-maçonnerie s'en abstient pour elle-même. Pire, la franc-maçonnerie applique l'inverse. La franc-maçonnerie utilise le stratagème de la division. La franc-maçonnerie est le commanditaire des attentats. La franc-maçonnerie est le vrai comploteur de tous les temps.
la franc-maçonnerie est la seule entité coupable des gigantesques crimes pédophiles. Il va me falloir beaucoup de temps pour tout faire défiler, mes chers amis. Je vais vérifier que, en même temps, la connexion n'a pas été rompue. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Très bien. Alors, ça a coupé tout à l'heure. Est-ce que c'est reparti? Alors, je précise qu'avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce que j'ai bloqué, il y a aussi beaucoup de tourneurs en rang, c'est-à-dire des personnes qui vous accaparent et sans jamais montrer où elles veulent en venir. C'est aussi un comportement parmi les comportements de troll. Allez, je vais espérer arriver bientôt à la fin. Donc je rappelle que cette vidéo, je la fais parce qu'elle va me servir à alimenter mon groupe, Medim Nawar, mes ennemis. Je vous rappelle qu'il faudrait que vous veniez grossir les rangs pour vivre ensemble cette expérience de boycott intelligent. Voilà, là j'en suis arrivé à la fin, donc je ferai ultérieurement une autre vidéo pour mon compte Facebook de secours. Celui-ci était juste le compte principal et les deux vidéos alimenteront mon Facebook Medim Nawar, mes ennemis. J'espère que cela découragera à l'avenir les nouveaux trollages. Mes chers amis, on se tient au courant et je vous dis donc à plus tard pour mon live. Je vous incite vivement à passer au stade courage, au stade création, au stade gaulois. Devenez gaulois comme votre serviteur. Mettez un gilet jaune par-dessus votre tenue et, même si vous n'avez pas prévu de sortir, sortez. Allez faire les magasins. Allez vous balader, allez voir la famille, allez prendre un café, allez faire du shopping. Courage et création. À tout à l'heure, mes chers amis.